Tu l'as déjà entendu, n'est-ce pas? Cette petite voix à l'arrière de ta tête qui commente chaque action que tu fais dans une journée. Oh, cette tenue, elle me grossit un peu. Oh, j'aurais pas dû manger ça, maintenant j'ai mal au ventre. Oh, je suis sûr qu'elle m'aime pas, je suis sûr qu'elle me déteste. Cette espèce de bruit constant qui est présent à l'arrière de ton esprit et que tu as fini par accepter comme quelque chose de naturel, comme une part de toi. Ce bruit est communément appelé notre mode par défaut. Cependant, j'aime l'appeler notre cerveau de Jeffrey. Dans notre société actuelle, nous avons accès à une quantité massive, presque suffocante d'informations. Le truc, c'est que en soi, l'information n'est pas une mauvaise chose si on n'y avait pas accès constamment. Cette surcharge d'informations a renforcé le cerveau de Jeffrey de la majorité de la population et l'a rendu plus influent, plus présent et lui a donné plus de contrôle sur nos vies. Dis-moi, c'est quand la dernière fois que tu as regardé une vidéo long format, de style podcast, sans edit fou, sans couleur, sans texte à l'image, et que tu es resté 100% concentré jusqu'à la fin? Je veux dire, c'est quand la dernière fois que tu as été 100% concentré sur une tâche, sur une chose, sans être distrait par soit ton propre cerveau, soit des notifications ou éléments extérieurs? Bah, je vais t'apprendre un truc, la majorité des gens vont soit répondre très rarement, soit jamais. Je vais vous apprendre un truc sur votre cerveau de Jeffrey. Celui-ci est conçu pour nous faire penser presque autant, voire plus, aux éléments et aux choses qui ne sont pas en train de se passer sur le moment que celles qui le sont. Ce qui a pour résultat de nous rendre littéralement plus malheureux. Parce qu'imagine que t'es en train de sortir avec tes potes, que t'es en train d'avoir un bon moment, mais que ton cerveau est constamment en train de penser à des trucs négatifs ou à des trucs qui ne sont pas du tout prioritaires par rapport à l'instant présent. Tu finis par penser que cette tenue te grossit, tu finis par penser que t'es pas si beau, que t'es mal coiffé, et t'as toutes ces pensées qui ne servent absolument à rien, qui te tirent du moment présent. La meilleure chose que chaque individu peut faire de leur cerveau de Jeffrey, c'est de le prendre et de le tuer. Mais je vais vous apprendre un truc cool. Notre cerveau de Jeffrey n'est pas le seul mode sur lequel notre cerveau peut opérer. Il existe un mode alternatif qui, lui, éteint toutes les pensées extérieures, toutes les voix, tout le bruit dans ta tête, il disparaît, et ce pendant des heures, ce qui te laisse dans un état de concentration pure où des heures deviennent des secondes et tu ne vois même pas le temps passer. Cet état est communément appelé un état de flow, mais j'aime l'appeler le cerveau d'Adonis. Pour ceux qui ont vu Dragon Ball Super, c'est littéralement l'ultra instinct dans la vraie vie. Pour ceux qui ne savent pas, Goku peut utiliser cet état nommé ultra instinct où son cerveau littéralement ne pense pas et pourtant son corps réagit instinctivement de la manière la plus optimale possible. Il esquive automatiquement, il attaque automatiquement et il devient presque invulnérable car son corps réagit sans qu'il n'y ait besoin d'avoir de pensée. Il est 100% présent et 100% concentré. Cet état de flow, un athlète peut y entrer lors d'une compétition de haut niveau, tout comme un musicien peut y entrer lorsqu'il est en train de jouer une pièce qui est difficile. C'est une concentration totale, optimale, sans distraction, où vous agirez de la manière la plus optimale possible, sans même avoir besoin d'y penser. C'est juste naturel. Mais bon, je vous parle de tout ça depuis tout à l'heure, alors cette vidéo c'est censé être sur la méditation. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Vois-tu ton attention aujourd'hui, si tu regardes, est probablement détournée constamment par des applications telles que TikTok, Instagram, YouTube Shorts ou quelconque autre notification sur ton téléphone, tellement que tu arrives rarement, voire jamais, à vivre l'instant présent. Et tu vois, la méditation, c'est une solution surpuissante à ce problème. Alors oui, moi aussi, je doutais fortement de l'efficacité de se poser son fiac sur le sol comme un attardé, de faire comme un débile pendant 5 minutes. Je comprends, la méditation dans les films est souvent dépictée de manière assez débile. Cependant, dans la vraie vie, c'est complètement différent. Si tu vas apprendre à méditer correctement, l'idée serait de te poser, soit sur une chaise confortable où tu as le dos droit, soit sur le sol, ce qui est plus recommandé, de te mettre dans une position confortable, de fermer les yeux, d'inspirer et d'expirer. Et durant tout le processus, tu te concentres uniquement sur ta respiration, le fait d'inspirer, d'expirer. Et tu restes calme, tu te concentres uniquement sur cette sensation de respiration, sans jamais émettre de jugement sur les sensations que tu pourrais ressentir. Tu les acceptes et tu retournes à la respiration. Sauf que plot twist, c'est que tu vas être distrait. Tu vas inconsciemment perdre ta concentration. Puis éventuellement, tu vas te rendre compte que, ah merde, j'ai perdu ma concentration, je suis allé penser à ce que j'allais manger ce soir. Et là, c'est le moment où la majorité des gens, ils abandonnent. Parce que, ah, vous voyez, c'est des conneries, avec la méditation, ça marchait pas. Bravo, ton cerveau de Jeffrey vient de gagner la guerre, et toi, tu viens de la perdre. Dans cette situation, ce qu'il vous faut, c'est garder les yeux fermés. Accepter que, d'accord, j'ai été distrait. Et te reconcentrer sur la respiration.
Félicitations, tu viens de faire une pompe mentale. T'as chopé le cou de Jeffrey et tu l'as serré même très légèrement, si bien que, même si c'est infime, sa voix a moins d'impact sur ton esprit. Au début, tu vas croire que c'est des grosses conneries tout ce que je te raconte, tu vas tout le temps être distrait et c'est normal. On veut que tu sois distrait parce que le fait d'être distrait te permet de te rendre compte que tu t'es distrait et de te reconcentrer sur la respiration pour être encore distrait. Tu boucles la boucle et ça te fait gagner un XP en méditation. Genre imagine si t'avais arrêté le sport le premier jour parce que t'as pas eu de résultat dès la fin de ta séance, c'est débile. Bien évidemment, comme dans le sport, certains verront les résultats bien plus vite que les autres parce qu'on est tous différents. Mais pour tous ceux qui regardent cette vidéo, l'important c'est de persévérer, n'abandonnez pas. Perso, ça fait 2 semaines que je me suis mis à la méditation. Tous les jours, je médite 10 minutes sur mon balcon pour prendre le soleil. Et c'est que récemment que je commence à avoir les bénéfices de plus en plus fréquemment. Je suis plus heureux, je suis plus concentré. Et assez souvent maintenant, j'entre dans cet état de flow durant mes heures de travail. Et vous l'aurez vu, j'arrive à produire une vidéo et 2 shorts chaque jour. Et pourtant, je bosse que 4 heures par jour. Rendez-vous compte. Suffit de persévérer, car ton cerveau de Jeffrey, soyez honnête, ton cerveau de Jeffrey est là depuis ta naissance. C'est normal que le coup de ce fils de pute, il soit énorme. Ça va te prendre du temps avant de l'écraser, ça va prendre du temps avant de l'étouffer complètement. C'est normal, c'est progressif. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire « Oui, mais je le fais comment? Je le fais combien de temps ?» etc. Ce que je vous invite à faire, c'est aller dans la description et vous aurez le lien de l'application Medito. Vous téléchargez cette application et je vous invite à prendre les séances de 5 minutes tous les jours. Tu le fais une fois par jour, de préférence à la même heure, hein, si possible, et juste tu persévères tous les jours, 5 minutes. Et quand tu te sentiras que t'as bien level up, passe à 10 minutes, ensuite à 15 minutes, etc. Ça dépend de toi. Certains individus le font une fois par jour, d'autres comme Arnold Schwarzenegger le font 2 fois, une fois le matin, une fois le soir. N'abandonne jamais et tu auras littéralement un cerveau qui bosse avec toi plutôt que contre toi. Une santé améliorée, une capacité à vivre dans l'instant présent, ce qui réduit le stress, réduit l'anxiété et littéralement te rend plus heureux. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les faits scientifiques. Et si t'as encore plus de questions qui n'ont pas trouvé de réponse, je t'invite à rejoindre mon Discord, le lien sera dans la description. Sur celui-ci, plusieurs jeunes hommes essaient de se construire et essaient de trouver des frères d'armes avec qui avancer sur ce chemin ardu qu'est la vie d'un homme. Là-bas, tu trouveras tes réponses. N'hésite pas à venir poser des questions. J'espère que cette vidéo aura été utile, non seulement pour mes abonnés, mais aussi pour tous les nouveaux venus. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.